Yo, toute nouvelle vidéo, où je vais faire mes pronostics de la Coupe du Monde. Donc, on va commencer tout de suite par Pays-Bas, Argentine. On va mettre un 1-1. Et Messi qui libère les Argentins au tir au but, un match très très serré. Mais donc, ça va être l'Argentine qui passe. Après, Brésil-Croatie. Je vois bien un but de la Croatie. La Croatie qui se sont fait peur face au Japon. Qui sont allés jusqu'au tir au but. Le Brésil qui ont mis 4-1 à la Corée. Je vois Neymar mettre 2 buts et Richarlison 1 but. Donc ça fait 3-1 pour le Brésil. Donc ça ferait un Brésil-Argentine en demi-finale. France vs Angleterre. Je vois un match très très serré parce que c'est deux grosses équipes. Donc c'est pour ça qu'on va mettre deux buts pour l'Angleterre et un but, non, je rigole, et trois buts pour la France. Avec un doublé d'Mbappé, un but de Giroud et de l'autre côté, Rashford et allez, fou, qui on peut mettre? Et. Allez. Rashford et Harry Kane. Et, donc, là, ça s'est pas mis. Maroc, Portugal. Maroc, Portugal. Je vois un but pour le Maroc et un but pour le Maroc. Les Marocains qui vont aller loin dans cette Coupe du Monde. Donc ça va être la France qui passe et le Maroc. Demi-finale incroyable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le Maroc, ils peuvent... Attendez, tac. Ils peuvent limite aller chercher la finale. Hein. Mais non, je pense que face à la France, ils vont perdre. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est logique ce que j'ai fait. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très prochainement. Allez, ciao!